tout le monde. Je dis à Chef Man venu pour nous avec une recette qui c'est pain du riz, comme nous sommes capables de constater que nous sommes en époque pain du riz. So, Chef Man juge bon pour lui capable venir avec recette ça pour nous et pour capable montrer nous qui gens que lui-même lui fait pain du riz dans style pâle. Pour nous capable réaliser pain du riz ça, premièrement, on a besoin de tremper du riz. On a besoin de tremper du riz. Du riz, ça fait 3 jours. Il y a 3 jours depuis que il est trempé. Et puis, me fait retirer de l'eau là-dedans pour me faire sûr que il n'y a pas une pièce de l'eau là-dedans. Mais si vous mettez le dans la bouche, après, il n'est pas difficile pour graser. Il est très très bon. Et nous avons besoin de sucre. Ou capable d'utiliser sucre blanc ou bien brown sugar. Moi-même, c'est ça que je veux. Tous les deux, même préférer ça. Alors, qui donc, je vais utiliser ça. Et on a besoin vanilla extract et puis nous gagnons plusieurs vanilla mais moi j'aime utiliser plusieurs parce que chaque gagne un goût paille. Alors on a besoin d'essence noyau et puis un petit vanilla rouge, ok, et puis on a besoin banana. Moi j'aime utiliser banana au lait comme ça parce que il y a racine, il y a un bon goût que là il est fraîche. Et puis nous a besoin fromage. Nous avons un fromage pour nous mettre dans un pain du riz noir. Nous avons besoin de citron. Nous avons besoin de citron vert. Et puis, nous avons l'autre essence qui sort à Haïti encore. Une essence blanche qui sort à Haïti. Moi-même, je vais utiliser. Moi, je vais servir avec. Nous avons besoin de bâton de beurre. Et puis, nous avons besoin de cannelle. Pour de cannelle. Nous avons besoin de lait canassien. Ou bien n'importe lait que vous gagnez la caille. Et puis, nous avons besoin muscat sur ma brage li. Et puis on a besoin de lait. Si il y a moun qui fait li avec lait bouilli, moi même plus que moi blende tout pas mieux, me décider pas bouilli lait là. Et puis on a besoin moi mais lait pain du riz, me gagne ti cal cocoyé là-dedans. So on constate que me gagne 2 cocoyé, une qui roulé et puis me gagne une qui sèche. Ça qui sèche là, je vais le grager. Et puis pour me prendre jus coco et à la dedans, je vais besoin de tout pour me faire peindre. Et puis ça qui roule, je vais le finir, je vais prendre, je vais me racher tout petit pour me mettre dans le peindre parce que je vais ça en pile. Et puis, vous êtes capable de constater que je vais un petit bi. Je vais mettre un petit bi tout petit pour aider les types à être bien lever, bien râler. Et puis, je vais gagner crème cocoyée. Je vais utiliser crème cocoyée. Puis, nous avons besoin d'un petit sucre. Et ça, c'est blender que nous allons utiliser pour nous blender du riz. Et bol, ça, c'est bol que là, nous finissons de blender pour nous mettre du riz. Et ça, c'est mesurement. Et puis, avec l'autre distance que nous avons besoin pour nous servir, pour nous capables de réaliser pain du riz. Ça, so, c'est tout ingrédient ça yo ou a besoin. Nous capables constater moi j'ai une pâte là, c'est une pâte ça que moi fait pain du riz non avant même que pour moi mettre li en bas. So, c'est tout ingrédient ça yo que ou a bien besoin pour réaliser pain du riz. Et voilà, so, nous prenons coco et sèche nous, hein, nous casser et puis nous granger et nous blender là alors li vinn ba nous jus ça. So, nous avons besoin jus coco et ça. Et puis massa, nous pas jeter le chef man va faire un petit douce ensemble avec. So, nous pas besoin pour pain du riz. Nous on mettre le sous côté chef man va servir avec le talet. Et puis là, nous saugager muscade, nous gagne zeste citron, nous gagne un petit bi, nous gagne un petit sel. Ça yo c'est bagaille que nous va besoin pour pain du riz. Et puis péoléa nous racher. Excusez-moi. Coco et oléa nous racher le petit cal, pas petit cal. So, nous va besoin pour pain du riz aussi. Kounya, ça nous va le faire. Nous va le prendre du riz noir, on te mettre trempé, nous va le mettre dans blender. OK, mettez les moitié et puis après ça pour nous capable mettre tout l'autre reste ingrédient yo. Là-dedans. So, nous va le vider un peu jus coco. Okay, on a fait 2 passés avec et puis nous allons mettre un grain de figue. Nous allons blender tout le bagaille ensemble. Nous
Mwen fè fig nan kokoyen, nan pendurien. Se pwase ke mwen remè pendurien pil, epi tout san serebral fini tout süt. Mwen manje tout süt. Men swa kite l pou an bon ti tan, swa fran pil ou bezoun pou an bon ti tan, mwen ta konseye ou pa mette fig la dan. Paske fig nan a fè li apè fil. So, mwen blende li avèk süt lan. Pou süt lan, mwen mette l ti kras pa ti kras pou jiska sk m vle nan nivou ke m vle la paske m pa vle pou li tro douz. OK, m va mete un peu krèm kokoye aussi. OK, m mete un peu krèm kokoye. Et puis qu'on y a, moi, en bralé, blendé. So, là, nous finissons blendé. Là, nous te mettez du riz, nous mettez jus cocoé, nous mettez crème cocoé, et puis nous mettez banane, et puis nous blendé ensemble. Là, nous finissons blendé ensemble, les vins banou, ça. OK? Là, nous pouvons mettre un riz là-dedans. C'est juste du riz, crème cocoé, jus cocoé, et puis lait. Qui vient ba nou ça. Et puis là, nous va mettre un petit bi, sel, zeste citron et puis miscal. OK. Et puis nous va mettre un tablespoon cannelle en poudre. Et puis au fur et à mesure, nous allons goûter et puis nous allons tester pour nous voir si nous avons besoin de mettre le bagage là-dedans toujours. OK. Et puis là, nous allons mettre essence blanc qui sorti à Haïti. On va mettre essence. Et puis là, nous avons vanilla extract. So nous allons mettre un petit goût. Et puis après ça, les goûter si j'ai besoin plus, m'a mettre. On pas remettre les peintures là, les andan blanche. Ce qui donc moi me mettre bon si j'ai essence rouge pour gagner un bel petit couleur. Et puis moi l'ajouter cocoyé là. Là, on va additionner tout reste ingrédients. On va mettre fromage. Et puis, nous juste additionner tout notre balayo ensemble. Dès qu'on lave la boîte, nous allons additionner un petit de canation. Et puis là, nous allons mettre le beurre. On va mettre tout le beurre pour un peindure capable de bien râler. Pour être capable de bien raffiner. Et puis là, nous allons le brasser. On va tout épicier. Pour cannelle, miscadelle, nous avons tout la zeste citron ou bien mixer, bien mixer. Et puis, là, au fin mixer tout bagage ensemble, ou bral goûter, pour voir qui ça que qui l'autre ingrédient que ou besoin pour ajouter. Ou du moins, est-ce que goût li gagnant, est-ce que vous satisfait avec. On va goûter pour moi. Oui, on satisfait. Il pas tellement douce. Mais ça. Et puis on prend goût cannelle là, mettez exactement force pour cannelle, force muscade comme d'hab mettez. Je suis vraiment satisfait déjà ni à couleur moi-même sauf so parce qu'elle est pas blanche et qu'on y a là, nous capable constater que
Je t'ai déjà allumé du féminin. Toujours, maman, mets ton petit l'huile dans la chaudière. So, chaudière, maintenant, il est déjà chaud, déjà. Et puis, mettez un petit l'huile, la donne. Et puis, qu'on y a là, nous, l'y prêt. Puisque ma bagarre, il m'a pas ajouté encore. Qu'on y a là, l'y prêt. Pour moi, aller verser dans la chaudière pour me cuire l'y avant même que l'y aller en bas four. So, ça c'est comme ça les doué. Okay. OK. Et puis là pendant les souffle comme ça, on va descendre le volume du feu. Et puis faut toujours brasser pour pas faire boule la main pour bien cuire. Avant même que nous mettions l'huile en bas. Et voilà, après là nous finissons mettre l'huile dans la chaudière et puis tout liquide là au brasser jusqu'à ce que pour le vin prend pour le comme ça. Gen moun étant tout liquide là, yo mettez la vaisseau yo, tout liquide là puis yo mettez l'en bas yo. Ou ka faire comme ça tout. Moi même préférer faire comme ça raison hein. Pour faire ce que du riz n'a li un peu cuit depuis en lait avant que mal mette li en bas et puis m'aimé tout temps que mette le souffle m'a brassé la avec petit peu pour et puis pour m'a battre pour m'a battre pour me faire ce que m'a bien moulasse pour bien moulasse que okay? Et puis pour y aller nous va fini. Et puis qu'on y a là, nous allons passer beurre dans le vaisseau nous, et puis pour nous capables mettre, et puis pour nous mettre dans le bas four. Et puis nous allons montrer quand il est prêt pour nous mettre dans le bas four, qui j'ai pu nous ranger l'envol là, etc. Ok, et voilà. Qu'on y a nous prêt pour nous allons mettre lui en bas four, ok? So, qui ça nous juste fait? Nous seulement prenons nous mettre dans ça, puis avec un petit qui est, nous seulement comme si nous avons fait cimenter, le bas ça pour nous glacier, le dans le sens, pour nous faire le pareil, pour le prendre ça. Et puis tout en nous a fait, nous coupons petit morceau de beurre, nous mettons en l'été. Nous mettons beurre en l'été pour permettre que le pain dur noir n'est pas brûlé, et puis en l'air vraiment crispy, la paraît bien chaude. So, quand on est prêt, nous allons mettre dans le bas four. So, nous allons chauffer le four déjà, et puis nous mettons la 350. Et puis, nous allons quitter chaque 15 minutes, nous allons venir pour nous capables de garder les pour nous voir si nous besoin. Depuis que le pain du riz apparaît bien jaune, et puis, au bout, soyons couteau en dedans, depuis que le couteau est bien sorti, bien propre, sans que le pain n'ait pas attaché là-dedans, ça veut dire les cuites, les bons pour manger. Donc, so, nous allons mettre les dans le four. Mais après, nous finissons couper un morceau dans le pain, mais en dedans, pain noir. Very creamy. Moisturize. Pain noir pas dry. Après, elle nous fin couper et en l'aile très crispy. Ok, nous sommes coupé un morceau là pour nous aller manger là. Mais pain noir. Très crispy. Même vraiment remen le crispy comme ça. Si vous pas remen le crispy, vous capable de quitter li à moitié. Et voilà, c'était Chef Man qui t'a démontré comment que li fait pain du riz dans façon pâle. Pas oublier abonner avec channel là, toujours continuer abonner, inviter famille avec amis pour nous capable prendre toute vidéo Chef Man gagne lui même pour les poster. Pas oublier follow Chef Man sur Instagram chefman17. Et comme ça nous capable prendre tout ça que Chef Man poster. Bye bye, à la prochaine.